Tu es prêt à me faire voguer sur les 7 mers, Maillard? Et sinon, pour le jeu? Tu sais que tu viens de me voler ma virginité du stream à deux, quoi. Tu es la première personne avec qui... Ton premier? C'était mon premier et on n'oublie jamais une première fois. Je te garantis pas d'être doux. Merde. On n'oublie jamais une première fois parce que généralement elle est toujours médiocre, tu vois. Genre, il y a un magasin de vêtements ou pas? Parce que vraiment, je suis vraiment nul. Non, il n'y en a pas dans CF6. Il va falloir que tu restes comme ça. Non, je peux pas faire pousser ma barbe aussi? Non, il n'y a pas de vêtements, pas de barbe. C'est vraiment, ouais, c'est. CF6, c'est hyper important. C'est. Faut que tu sois nu. Moi, je m'appelle Captain Patate. Ouais. J'étais anciennement un capitaine d'un navire si grand que le monde ne pouvait le contenir. Mais en fait, j'ai tout perdu au jeu et dans la boisson. Et maintenant, aujourd'hui, je ne suis plus que l'ombre de moi-même. Et j'ai dû vendre mes habits pour pouvoir continuer d'exister. Ah, on t'a dépouillé. Chose... C'est vraiment des salauds. Les gens sont vraiment des salauds. Ouais. Des salauds. Mais une chose reste là, c'est ma capacité à boire un petit peu de bière. Ah, j'ai trouvé un verre de terre. Ouais. Alors, les vers de terre, ça a un effet assez proche du grog. Ok, ça rend sous? Presque. Ok, attends, je vais essayer. Attends, j'ai peur. Pour la science. Pour la science. T'as rien fait? On est juste dégueu. Non, pas que. Ah si, t'es... Ah, mm-hmm. Pourquoi tu sors ton seau? On va vomir? Bah non, mais pas du tout, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais rien à voir. Vous êtes bien vert, monsieur Mousse. Vous êtes désormais baptisé. Mais oh, c'était ça le baptême. Si on est un navire et qu'on fonce droit sur un rocher... Dans cette situation, je change de cap. Je demande de l'aide à madame. Je deviens géologue. Au bout d'un moment. Ah bah, mais on va mourir. Alors, justement, moi je suis capitaine, je peux pas donner des indications et en même temps naviguer. Je suis navré, mais. Je peux pas tout faire. Après, je veux bien passer entre les deux, mais au bout d'un moment, faut qu'on s'arrête. Ok, il est où? Il me troll en plus. Parce que je sais pas comment arrêter un bateau, ils m'ont pas appris en fait. Mais. Laisse-toi porter par ton destin. Ok, madame. Alors, je regarde de mon côté, mais non, je vois personne. En même temps, le monde, j'imagine qu'il est assez grand, et donc du coup, t'en croises pas tous les... Oh, tu tombes assez facilement sur les gens. Ah ouais. Est-ce qu'ils sont tous belliqueux, comme j'ai envie d'être, ou... Partons du principe que oui. Non, bah lui, il va exploser. Mais pas du tout, c'est une coutume pour dire bonjour. Hein. Yo. Moi, j'ai pas le temps. Alors, mon pote, t'es mort? Non, pas du tout, mais par contre, tu brûles, j'ai l'impression quand même. Ah ouais, mais tu me brûles en même temps! Mais tu me brûles! Tu m'as mis le feu, Mathieu. Après, tu fais droite, gauche, droite, gauche. Et tu fais quand même avec des rames. Après, tu peux avoir certaines doses de difficultés supplémentaires qui tombent un peu de manière aléatoire. Ok. Genre du vomi. Et tu m'as vomi dessus! Mais. Mais on vomit pas sur les collègues qui conduisent la chaloupe! Bien sûr que si! Ou dans quel monde tu as vu qu'on vomissait pas sur les collègues? J'en ai marre de me faire vomir dessus! Mais c'est la piraterie! On the road again! Ouais. Du coup, on avait trouvé le petit chemin? Ouais. Ah, il y a plein de serpents, tout le monde veut me tuer sur cette île, c'est pas possible, je crois que même le capitaine de mon bateau veut me tuer. Impossible. Hop, et je peux même... Non ! Te harponner ! Premier harponnage ! Premier harponnage. Mais si. Mais c'est potentiellement mortel en fait. C'est ce qu'on vient de faire. Un coup de harpon à travers le corps ? Non, ici c'est... c'est vraiment juste de la courtoisie. Tu peux récupérer le tonneau. Le tonneau ? Il se vend, bien sûr. Il se vend ? Ah ouais ? Bien sûr. Ils se vendent assez cher. Ouais. Si tu le harponnes, par contre, ça va tout péter. Bah, c'est un risque. C'est absolument un risque. Ok. Vas-y, j'y vais. Mission ninja, je suis sous l'eau. Ils m'ont pas vu. Il n'y a pas de navire pour l'instant.
Ils m'ont pas vu, Turbo Ninja. Ah la vache. Il m'a tué dessus. Et sache que moi je l'ai fait, ça m'a pas plu de le faire. Mais si je t'ai trahi, c'est uniquement par professionnalisme. C'est toi qui m'as trahi ? Non, pas du tout. Peut-être c'est que... toi qui m'as tiré non dessus ? Non, je t'ai pas tiré dessus, je tire à côté. Après, il y avait un tonneau explosif à côté de toi, mais... Moi, je croyais que c'était un des squelettes qui m'avait tiré dessus et qui avait... Mais c'est complètement un squelette ! Mais c'était toi depuis non, le début ! Non, c'est pas moi ! Pas du tout ! Pas du tout ! C'est non, honteux. Mais c'est faux ! C'est faux ! C'est honteux ! Mais c'est pas honteux, c'est professionnel ! On a un sloop, on a vraiment le plus petit. Ok. T'es pauvre en fait comme capitaine. Quoi ? T'es pauvre comme capitaine. Aïe ! Ça fait mal ? Un peu, mais moins qu'un tonneau explosif. C'est un chat ! Oui, c'est un chat ! Tu le mets pas dans le canon. Hein. Ah. T'as vu dans quel sens allait le vent ou pas ? Ouais, il est toujours contre nous, je crois. Ouais. Tu viens ? Non, mais t'as mis un chat. Mais pas du tout. Mais si, regarde. Mais de quoi tu parles ? C'est terrible. C'est vraiment terrible. Mais non, mais c'est le boulet. Il est mal taillé. Il est pas rond, tu vois. Mais pourquoi le chat ? Il est cool. Mais tu es une horrible personne ! Au revoir, petit chat. Non. Je vais quand même aller checker sur la carte s'il n'y a pas des Reapers qui viennent nous voir. Ouais. Je suis en bon mousse ou pas ? Ouais, non, c'est très très bien. Cool, cool. Ok, c'est pour l'instant tout va bien. Pour l'instant. C'est ça, hein. Il y avait un mort au camp plus haut. Ah ! Alors. Des munitions. Les munitions, ça va, je crois que j'ai. Ah ça c'est le raise. Ça c'est le raise, tu vois, je peux te réanimer. Imaginons un tonneau explosif explose. Il trahit une deuxième fois. C'est incroyable. Mais non, mais c'est pour le travail. C'est fou ça. Franchement, avoir le mal partout, ça me dégoûte, tu sais. Je vais changer de navire. J'en ai marre de navire. Putain, il est super proche de nous. Oh la vache. Il est proche comment, je veux dire? Mais genre à côté. Hello, motherfucker. Ah mais ouais. Mais ouais. Mais on se connaît tout juste, le gagnant. Mais genre, c'est le Tinder de Sea of Thieves. Il va se calmer, là. Hein. Quel dieu. Je te laisse prendre la... Je te laisse gérer le navire, je descends, j'y vais. Ok. Ah non, c'est bon, je suis watch out. Tu es seul à bord. Je suis mort. Tu es seul à bord. Tu es seul ? T'es complètement seul à bord. Oublie pas de cuisiner du poulet. J'ai cuisiné du poulet, mais tu penses que c'est un peu cuisiné du poulet ? Là, je vois difficilement qu'on va pouvoir s'en sortir. Non, non, mais si. Crois-y. Crois-y. Non. Ouais, si j'ai cop pour ma vie, hein. Ok. On va couler ici. J'ai un merdier. Oui, Maillard, moi j'ai qu'une hâte, c'est de tester la bagarre. Où est-ce que tu testes, là? Teste bien. Mais putain, c'est le merdier. J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Tu veux que je commence par quoi? Commence par la mauvaise. On a plus que 50 boulets. Ok, c'est quoi la bonne? On est vivant. Ok, c'est pas mal. Attends, je crois qu'on l'a. Non, c'est vrai. On l'a complètement. Mais oui. Mais oui. And we'll get to come. On est quand même en train de continuer à couler, donc je vais finir de boucher le trou. Il était en train de danser. Il vient vers nous alors que c'est un poste. Ouais. C'est pas okay. Courant là ce qu'on voit là, c'est pas du tout courant. Hein. Nageo okay. Wild. Donc tant qu'on leur tire pas dessus, on va pas l'aggro. Le mâle appelle une femelle de son harem. Ça va bien se passer. Il se pavane, tellement... la poitrine gonflée et la tête haute, prêt à s'accouper. Salut, ça va? Avec de petits battements d'ailes, la femelle incite le mâle à la prendre en chasse. Vous voulez vendre?
Merde, j'avais oublié de recharger. Mais non, charge mon sang. Au secours ! Les sons qu'elle émet ressemblent davantage à des sifflements, des grognements ou des mugissements. Alors. En le menant ainsi par le bout du nez, elle teste sa vitesse et son agilité. La séduction passe toujours par une course-poursuite. Non, on n'est pas touché. Pour impressionner la belle, il doit lui en mettre plein la vue. Et il ne recule devant rien. Je remets l'angle à gauche. Mais le mâle est encore loin de la ligne d'arrivée. Alors, pour ruser, il va exécuter un petit pas de danse. Ok, j'arrive. Pourtant, je vivais ma meilleure danse. Ah putain, ça regarde, tiens. Recule, Satan! Alors que la température rafraîchit en cette fin de journée, le mâle s'apprête à se donner à nouveau en spectacle. Recule! Voilà. Vas-y, bourrine, bourrine! Le mâle est parvenu à ses fins. Il a attiré l'attention de la femelle. C'est ça. C'est le chaos! C'est le chaos! Mets-nous à gauche, mets-nous à gauche! Ok. Très bien, très bien, très bien, très bien. Vas-y, je vais en bas. Ok. Ça va en bas, j'ai l'impression. On y voit un peu plus rien parce que c'est la nuit. Et on l'a coulé. Au 19e siècle et jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les Européens se sont arrachés les plumes qui se vendaient à prix d'or. Elles ont longtemps été un symbole de pouvoir et de luxe. Putain, on est devenus des zinzins, tu sais. Ah ouais, on est devenus des pirates super zinzins. Super coolos. Bon, j'écope un peu. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ça compte aussi un peu. Je fais des tirs à l'aveugle, des fois ça marche. Ouais, bah. C'est quoi, c'est un tonneau explosif? Ouais. Putain, la vache. Tu l'as harponné, mec. Je l'ai harponné, ouais. T'as retombé. Regarde. Putain, la vache. Bah ouais. Ah, la vache. Je te jure, si on se prend un hit, là, notre navire, il va dans l'espace. Hein. On a complètement. On a une bombe au cul et on a une île devant. Tu préfères quoi? Merde, on est une île devant. Il y a un galion joueur derrière nous. Il y a un galion. Okay. Il y a un brig. Joueur en face de nous. À gauche, il y a deux navires fantômes et on est en train de brûler. Qu'est-ce que tu préfères? On est ouvert partout. On a deux trous pour l'instant. Je vais les boucher. Vas-y, essaye de le défourailler. J'essaie. Ça va la vie? Ouais, toi, qu'est-ce que tu deviens? Non, mais Léa, tranquille. Hein. Bah écoute, ça va, je suis allé chez le coiffeur et tout. Et... J'enlève la flotte. Ok, je vais tirer. Ok. Ah mais t'es sur le... Oui, je suis chez eux. Je suis plus à bord. C'est bon, c'est pas là. C'est merdé. Oui, je confirme. Ça va toi ou pas sur le... à bord? Je leur tire dessus, j'attaque. Ceux qui sont au canon pour les empêcher de tirer dessus. Cool. On coule. C'est vrai? Non. Non, non, mais ça va. J'arrive. Ok, il y a encore un trou, c'est le merdé. Je vomis un peu là, j'ai l'impression. Je suis merdé. Okay. Je suis juste derrière nous. Ok. Je largue. Non. Non, Mathieu. Non, rien, ça va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe? Je vais aller réparer avec elle, je te laisse gérer. Oh putain, y'a un kraken. Ok, coolos. Oh le kraken, tu me formes en 2 minutes. Sur quoi? Alors. Dégage, t'es bâtard. Ok, c'est le merde. Je sais pas. Moi non plus, je sais pas. Ok. Oh, on fout, putain. Lâchez-nous. Lâche. Répare. Vide et répare. Qu'est-ce qui se passe? Merde, je me suis fait manger. Oui. Je me suis fait bouffer. Et moi aussi. Oh, mec. Lâche-moi, saloperie. Ok. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Alors en fait, il faut que tu te débattes soit en tirant, soit dans des coups d'épée, ou quoi. Mais là, l'inquiétude, c'est le... Ah d'accord, coup d'épée. Ok, coolos. Oula. Écope. Mais je suis dans l'eau. Putain, je suis pas... Reviens. J'essaye, mais il m'a jeté à l'autre bout de la planète. T'es tout seul pendant un petit moment, mon pote.
Eh ben, c'est une nouvelle, je dirais, 4 sur 10. Oh, putain, faut que je passe sous le bateau. C'est peut-être pas passé giga loin, on va pas se mentir. J'ai une idée, je vais cuire du cochon. Ok. Putain, c'est le dernier, faut que j'apprenne tout d'un coup. Et c'est ça qu'on veut, c'est de la difficulté. Je vais pas. Je peux pas tirer parce que j'ai le Kraken devant moi. Ok, on est touché. Ouais, ça se passe. Ça c'est épique, il... putain. Mais il est. Ok. Non. Quoi, t'es mort? Mon cochon, il est trop cuit. Ah mais tu fais du cochon, mais tu crois vraiment qu'on a le temps de se faire de la bouffe? Je remonte le mât. Non, non, occupe-toi de tirer, c'est pas grave, on n'a pas besoin de... Là, pour l'instant, on n'a pas besoin de main. Pas besoin de main? Allez. Il est mort. On a eu le galion. On a eu le galion. Suivant. T'es pas raison, enfoiré. Très bien. Tu t'es cru au Japon? Mais comment on va se débarrasser d'un putain de Kraken? Avec le swag, avec le swag. J'ai pas d'angle, j'ai pas d'angle, j'ai pas de putain d'angle. Allez, pas de panique, bordel. C'est dans non, la tête. Bah non. Ah vache. C'est bon, je remonte? C'est bon. Ok, pause. Vache, bordel de cul. Wouah. On va claquer ou pas? Ouais, ça a l'air de bien se passer. Il est parti? Quoi? Il est en train de partir? En train de partir? Il est parti! Alors, ton premier Kraken? Bah, tranquillo, c'est mon premier Sea of Thieves, si tu veux dire. Boulot, ça s'est passé nickel. Ouais. Ah, c'était Tandax. Hein. Ah, c'était coolos. Ouais. On a buté un Kraken. Oui, après, le Kraken, il est capable de se retrouver là. Hein. C'est vrai. Respecte mon autorité, jeune Kraken. Respecte mon autorité. Attends. Putain, y a un requin qui me regarde. Y a un requin qui me regarde, c'est dangereux ou pas? Ah la vache. Ouais. Oui, j'étais. Ça fait toujours ça la première fois. Il va mourir, il est là. C'est bon, je l'ai eu. Allez, viens, on lève l'ancre. Direct. Vas-y, il faut le comblon, bordel. Répare. Je vais prendre l'eau, je vais ouais, éteindre l'incendie. Oh non. Y'a un Kraken. Y'a un Kraken. Ok, coolos. Répare tout ce que tu peux. J'éteins le feu d'abord. Je répare. Répare ce que tu peux. Super. Une bouteille d'homme. Oh mon dieu. C'est... Quoi? Oh non. Répare tout ce que tu peux. Ouais, je sais, je répare. C'est le merdier. Oh. Non, il a tout pris, le Reaper. Ah merde. Le Reaper, il a tout pris. Il a tout pris. Ouais. Ah merde. Et il est revenu, ils nous ont ancré. Il m'a tué. Ils nous ont ancré. C'est la fin. Hein. Fin du voyage pour nous. Ouais. C'est pas grave, mais attends, comme entre en matière. J'ai l'impression que le pic. Oh, t'as trouvé? Je l'ai, premier t'as coup. Trouvé. Premier coup, mais je l'ai. J'étais oh là là. Et ça c'est un crâne super cher. Premier coup de pelle en plus. Ok. Allez. Du coup là leur carte elle a disparu. Ouais, bah elle tu sais, ils doivent être entre eux en train de se dire hey Joe, c'est toi qui a fait la mission? Non, et toi Joe? J'ai l'impression qu'on se remplit mais je sais pas par où. Un film de Night Shyamalan. Hop. On gigue. Garde une couverture. Faut m'aider, on meurt. Oh. Ok. Je m'occupe des trous. Ok. On a une carte ouverte. Attention. Il s'inquiète. Oh, ça va. Bon, les trous, ça continue. J'ai l'impression de passer ma vie. À mettre de rustine. On a peut-être plus de barres, mais. Est-ce que c'est un problème?
Mais non, coulotte. On a 4 trous sur le plan supérieur. Oh la vache. Oh putain. Tu brûles, mon pote. Je brûle. C'est le. C'est l'esprit d'équipe. Ouais. Non, maintenant. J'ai bientôt. Oulala, mais il fait un move de. Mais tu vois, on est d'accord. C'est pas les gars. Mais va-t'en. Va bien être. Gabianas. Oh la vache. Mais. Écoute, j'y vais, occupe-toi du navire. Ok. Et ça se passe assez coulons, ça. Quoi? Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Tu t'occupes, je reviens, comme je n'ai aucune personnalité, je vais faire comme toi. Ok. Tu t'occupes de la cuisson et de la barre et de l'observation des Reapers et de tout le reste. Ok. Go, top là, check. Ok, check. comment on check dans ce jeu? Attends, je peux dire, voilà. C'est presque un check. Pourquoi il y a une musique inquiétante? Merde, y'a un Kraken, mec. Mec, tiens. Bordel, y'a un Kraken. Putain, il s'est barré pendant qu'il y avait un putain de Kraken. Ah, oh, fais chier. Lâche-moi. Faut que je m'occupe du poulet. Merde. Ah, il va cuire. Ok, pas d'inquiétude, mec. Pas d'inquiétude, tu t'es entraîné pour ça. Tu t'es entraîné pendant au moins une semaine. On s'inquiète pas. On reprend des boulets de canon. On avance. Laisse-moi tranquille, toi. Dégage. Non. C'est le merdier. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'ai lâché, j'ai juste fait un pissou. Ma pile pendant que t'es parti. Mais je me suis occupé du poulet, t'inquiète pas. Ah yes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais je mange ton poulet. Montre-nous comment tu as intimidé le Kraken. Et je l'ai complètement intimidé, je l'ai même bully, tu vois. C'est vrai. Tu me racontes comment ça s'est passé? Bah il est arrivé, il est sorti, il a fait hey, « Hé toi, file-moi le bateau !» J'ai fait « Non, c'est mort, ouais, tu crois que tu fais peur avec tes tentacules? Tu sais le nombre de hentai que j'ai regardé, je sais comment ça se finit !» Il a fait « Ah, laisse-moi tranquille !» Après je lui ai tiré des bouts de canon, il a fait « Non, s'il te plaît, t'es trop fort pour moi !» J'ai fait « Reviens plus jamais, hein !» Sinon, gros gros. Puis voilà, c'est terminé. Easy. Puis là, fin du pisson. T'as sauvé la viande en plus. J'ai tout sauvé. La veuve et l'orphelin et tout, tu vois. Sauf la dignité. Il y a un autre bateau qui arrive. Ah mais ouais, mais c'est un galion. C'est quoi ce serveur? Ils sont en train de se fight. Ok, on loot, on se casse. On fait vraiment les hyènes, tu sais. Je vais aller aborder le galion. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est nul. Oh, mon dieu. C'est pas ce truc. Je reviens? Ouais, reviens. Ok, attention. Oh! Ça se vient ou quoi? Ouais, je fais de prêt. Et du coup, je fais quoi? Moi, je fais une attaque frontale, ouais. Parce que. Attaque. Attaque frontale? Ok. Oh! Ah, c'est sale ce qui se passe! J'arrive. Ils sont dans la merde ou pas, le galion? Ah, ils sont en train de galérer comme ils peuvent. Okay.
en fait, il essaie de me tirer dessus. En fait, ils ont board. Et on est deux à board. C'est-à-dire qu'il y a le sloop. Ils doivent être deux. Hein. On est deux à board. Et on les prend en sandwich, en fait. C'est-à-dire qu'on a comme alliés des gens. Ouais, ouais. Ouais, c'est très sale ce qui est en train de se passer. Parce qu'on profite de la faiblesse. Nous, c'est vraiment dégueulasse. Franchement, c'est pas sympa. Notre part. Je défonce. C'est parti. Oh merde. Merde. J'arrive. Le petit nous aide encore ou pas? Je sais pas trop. Okay. Vas-y, c'est sa ligne. Si, nous aide. Enfin, on est ensemble. Il est mort? Ah non. Non, pas du tout. Fais gaffe à pas tirer sur notre collègue. Il va falloir que tu sois seul tout sur la barre. Ah, okay. et la canonnade. Quoique. En fait, j'ai pas. Ils ont coulé? Nice. Ils ont coulé! Du coup, on fait quoi? On s'attaque au petit? Ouais. C'est une petite voix fluette. C'est quoi? Tout. On les attaque, on a rien à perdre. C'est quoi? On s'en fout. On s'en fout. Aucune race. C'est quoi? Aucune race. Ça restera dans les mémoires. Ok. On ouais, est des mauvaises personnes. Mais grave! Ah! Je suis le capitaine pirate. Et je viens prendre votre or. On fait une sortie éducative, monsieur. Il est tombé ou pas? Oui, on l'a coulé! On est vraiment des enfants. Mais ouais! Alors? Qu'est-ce que ça fait de... On est des ordures. Mais ouais, grave. Mais c'est parce que t'as une mauvaise influence sur moi. Quoi? Le fameux Pissou Kraken. Bien sûr. C'est vraiment très drôle. Donc merci beaucoup. Merci. Ben, avec, merci à toi pour cette session. C'était vraiment chouette. Avec plaisir. À charge de revanche. Ouais, à charge de violence, bien sûr. Avec de plaisir. Violence, ouais. De violence. Donc, de ouf. Et d'injustice. Cas, merci beaucoup, hein. Merci à toi, c'était vraiment merci hyper à toi, chouette. Maya. Et puis bon plaisir. Et puis on se dit à bientôt, ouais. De ouf. Gros bisous. De ouf. À bientôt, ciao.